Salut tous, c'est Lunet, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et après avoir récupéré pas mal de trucs, donc on rappelle, je suis simplement dépanneur et dénicheur de voitures de luxe. On a eu une Bugatti, on a eu une Ferrari, on a eu une Lamborghini, on a eu une voiture du futur. Donc cette fois-ci, on va voir ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc je rappelle que ma secrétaire à chaque fois, elle me donne des endroits. Et en gros dans cet endroit, il y a une voiture qui est cachée, donc on va voir ce qu'on peut découvrir. Encore une fois dans les commentaires, dites-moi quel est le prochain véhicule que vous voulez dans la prochaine vidéo. Donc je sais pas, une Renault, une Peugeot, ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, on est parti, le dépanneur des légendes de luxe. Ok, c'est parti, je suis dans mon petit garage, hein, je pense que maintenant vous le connaissez. Il commence à plus vraiment avoir de place du tout dans ce petit garage. Ah, la lampe d'ailleurs qui est devenue verte. Je sais pas pourquoi elle est devenue verte. Alors attendez, hop, je vais changer ça tout de suite. Hein. Comment ça t'es devenu vert toi? Oh, t'étais pas vert toi de base. Toi t'es de base, c'était jaune. Donc hop, on te remet en jaune. Voilà, elle était jaune, donc on la remet en jaune. Hop, voilà. Ma lambeau était jaune. Ok, donc on a une lambeau, on a la voiture de police, magnifique, la Bugatti Chiron. La Ferrari, hein, qui est magnifique aussi. Et du coup, on avait aussi la Deluxo là-bas. Et du coup, on avait aussi la voiture qui vient du futur, qui est juste là. Ah, celle-là, elle est vraiment belle, celle-là. Eh bien, écoutez, les gars, c'est parti. On va aller chercher ma petite voiture. Donc, comme d'habitude, on se fait une petite mission. Hein. Wow, c'est passé quoi, là? Est-ce qu'un des panneaux de secours répondait? Ouais, je suis disponible. Une voiture? Ok, c'est cool. Elle a cherché le week-end ou pas? Ok. Alors, dans les commentaires, j'aimerais bien savoir un peu... est-ce que dépanneur, c'est un métier que vous aimeriez bien faire ou pas du tout? Genre, ou du moins pas faire, mais plutôt tester. Genre, moi, j'aimerais trop tester dépanneur dans la vraie vie. Alors, on a un véhicule ici. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on dépanne toujours les mêmes véhicules, toujours au même endroit. Bonsoir. Allez, démontez, messieurs. Attendez, on va faire galérer. On va voir si c'est téléporte comme la dernière fois. Si se téléporte, c'est magnifique. Regardez. On le fait galérer, les gars, le pauvre. Regardez, pauvre. Wow. Oh, shit. Poudlard, les gars. Le gars s'est téléporté. Alors, on va prendre le premier véhicule. Bon, en fait, je pense que Rockstar, ils ont fait un truc au bout de quelques secondes. S'ils voient qu'on s'écarte trop ou quoi. Ou je sais pas comment ils calculent ça. Je sais pas si c'est le fait de trop reculer ou le fait peut-être Eh, c'est une meuf. Vous avez mis du temps, vous avez mis du temps. Comment ça j'ai mis du temps? Je suis arrivé en même pas 5 minutes, elle me dit j'ai mis du temps. T'oses me dire ça? T'oses dire j'ai mis du temps? Ok. T'oses dire ça? Pas de souci. On va voir ce qu'il en est. Vas-y. Fais la maline. Vas-y. Elle a dit moi je mets du temps. Vas-y. Allez hop. Tu dégages. Je dois raccrocher le véhicule. Voilà, je le dégomme encore plus, les gars. Je le dégomme un peu. Mais c'est moi, il avait une voix de meuf. Attends, elle avait une voix de meuf. C'est un gars, mais il a une voix de meuf. Je comprends rien. Vraiment, je comprends rien. Bon, on va reprendre son véhicule. Mais du coup, j'ai dégommé avec le train. Mais vous avez vu? Il a pas trop eu de dégâts, même avec le train. Alors que généralement, les véhicules, quand tu te fais dégommer par le train, ton véhicule, il est quasiment mort, enfin pas mort, mais c'est chaud quoi. Genre, c'est vraiment chaud. Bonsoir, messieurs, je suis dépanneur. Oui, hein, je veux dire, moi je dépanne des véhicules. Et aujourd'hui, on dépanne une Audi. D'ailleurs, au passage, hein, c'est une Audi de Wish, mais c'est une Audi quand même quoi. Ok, premier véhicule terminé. Ok, les gars, du coup, on est reparti. Donc, en fait, je vous explique. Donc, ma manageuse, hein, ma petite manageuse. Elle nous a dit que c'était le quartier juste ici. Alors, c'était près d'un pont. Donc, je sais pas ce qu'elle dit près d'un pont. Mais en tout cas, je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Mais en tout cas, on sait que c'est près d'un pont. Je rentre sous un pont. Donc, après, il est en train de répondre. Non, je ne réponds pas. Bon, le truc là, j'aime trop. J'aime trop l'utiliser. Alors, en dessous d'un pont, les gars. En dessous d'un pont. Là, peut-être. Je regarde en dessous. Rien de spécial. Ici. Pareil, il n'y a rien de spécial. En dessous d'un pont. En dessous de pont. Là, il y a un pont. Là, il y a un pont. Ok. Oh, il y a un truc.
Oh les shits, y a un truc les gars. Ok, je vais m'arrêter à côté. Oh les shits, alors déjà c'est un véhicule blanc de loin. C'est un véhicule blanc. À votre avis, c'est quoi? Bon, vous avez le nom dans les titres, mais quand même, à votre avis quand même. What is this shit? C'est quoi ça? Alors de loin, je vois pas du tout ce que ça peut être. Oh les shit, les gars! Je crois que j'ai bien vu ce que j'ai vu. Le logo Tesla! Oh shit! Je viens de trouver une Tesla abandonnée. Magnifique, c'est une Tesla. Alors je sais pas c'est laquelle exactement. Je m'y connais pas trop en Tesla. Dans les commentaires, dites-moi c'est laquelle. Elle est. Ouais, regardez, c'est écrit là, ça y est, on a la confirmation. C'est écrit juste ici, Tesla. Ah ouais, Tesla. Je sais pas si dans les commentaires vous êtes un peu véhicule électrique ou pas du tout. Je vais mettre en première personne. Ah ouais, vraiment trop belle. Elle est belle, elle est magnifique. Quand ça, il va nous réparer ça, les gars, le mécanicien. Je peux vous dire qu'elle va être cheatée. Alors, l'intérieur est complètement explosé. Il n'y a même plus d'écran. Je sais que dans les Tesla, il y a des grands écrans, c'est magnifique. Le volant, il est mort. La véhicule, oh, le véhicule, il est mort là. Franchement, de tous les véhicules qu'on a eu, je crois que celui-ci, c'est vraiment le véhicule le plus mort qu'on ait pu avoir. Ah ouais, mais c'est cheaté là. Ok. Bah écoutez, je vais prendre mon petit véhicule de dépannage et on va aller récupérer cette magnifique Tesla qui va s'ajouter à notre magnifique collection de voitures. Ok. Non, là je suis en train de livrer une Tesla. À chaque fois, il me casse la tête, mais laissez-moi vivre un peu. Hop. Allez, la Tesla. Oui. Oui, les gars, elle monte, elle monte, elle monte. Alors, après, on va rouler doucement. Ok, je vais m'insérer par là, je pense. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de circulation. C'est stylé quand même le métier de dépanneur. Je veux dire, dépanner des voitures. Je sais pas si c'est un truc qui vous plaît. Comme je vous ai demandé tout à l'heure. Oh là là. Alors voilà, c'est ça le problème des véhicules. Quand tu dépannes un véhicule, ça fait tout le temps ça, c'est chiant. Pour l'instant, en tant que dépanneur, je pense que je suis un bon pilote. Je sais pas si vous voulez dire dans les commentaires. Mais moi, je me trouve bon pilote. On va prendre. Oh là 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 là. Vous voyez, quand on va trop vite, le véhicule pète complètement les plombs. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai une Tesla à dépanner. Ah oui, c'est une Tesla, les gars. Hein. Je veux dire, c'est une Tesla en plus qui est incroyable. Et une Tesla, ça coûte. Je veux dire, ça coûte très très cher, une Tesla. Ok, alors on va passer à côté de mon garage. Là. Hello! T'inquiète, on arrive après. On arrive après, les Ferrari. On arrive après. Je vais vous livrer la Tesla. Ok! On est à côté du LS Custom. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est ce type, il a pris tout mon argent, mais. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'il ait pris tout ton argent, moi? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une putain de Tesla derrière moi. Et je vais aller la rentrer. Donc, on va la poser comme d'habitude, les gars. Vous connaissez. De toute façon, vous connaissez. On la pose devant. On gare le véhicule de dépannage. Juste là. Voilà. Hop. Bah, du coup, ouais, il a pas de place pour descendre du côté là. Ah, ouais, les gars. Alors, je sais pas c'est quelle Tesla exactement. On va rentrer avec la Tesla dans le LS Custom chez le mécanicien Habib et on va voir si c'est magnifique ou pas. Holy shit! Tesla 21! Magnifique! Rien à dire. Oh là 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 là. Regardez-moi ce missile. Regardez-moi ce bijou de Tesla. Cette création, ce véhicule électrique. C'est trop. J'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots, j'ai même pas. Je saurais pas quoi vous dire, mais. Pff, incroyable. Alors, on va quand même mettre des trucs à fond. Après, je pense qu'une Tesla, c'est pas des véhicules vraiment où il faut. Ouais, c'est bon, j'ai mis. Où je pense qu'il faut mettre des couleurs dessus. Je pense qu'une Tesla en blanc, c'est la couleur qu'il faut mettre. Après, avoir. En noir, ça peut être pas mal aussi, ouais. Genre, je sais qu'il y a des Tesla, j'en ai déjà vu dans la vraie vie, genre. Un peu grisé comme ça. Mais c'est pas mal aussi comme ça en acier. Genre rouge, tout ça, ça le fait pas sur une Tesla. Même jaune, non, c'est dégueulasse. Genre, Tesla, c'est vraiment blanc. Un peu des couleurs basiques, genre blanc, bleu. On a les deux blancs là, ou noir, hein. Franchement. Franchement, je l'aime bien en blanc. Pour ma part, je vais laisser du blanc. Ouais, je pense que je vais laisser le blanc.
c'est bien. Je pense que ça sert à rien de mettre des couleurs sur une Tesla. Suspension, on met. Transmission de course. Turbo, on met. Roues, bah on laisse un roues basique. Hein, parce qu'on va pas mettre des roues dégueulasses. Regardez. T'imagines, tu mets sur une Tesla des roues comme ça. Ce serait trop dégueulasse. Non, on va laisser comme ça. Genre ça. Non. Trop cheaté, les gars. Ah ouais, non. Attends, on se fout de ma gueule. Si je vois une Tesla comme ça dans la vraie vie, je pense que je pète les plombs. Alors, amélioration de pneus. Bah oui, pneus à l'épreuve des pales. Fumée de pneus. On va mettre une fumée qui peut bien ressortir. Je pense que ce serait du bon. On va laisser blanc, tiens. On va laisser blanc. Alors, vitres. Vitres teintées. Ouais, sur une Tesla, c'est vraiment beau, les vitres teintées. Et je crois qu'on a fini. Ok. Eh bien, c'est parti. On va aller ramener la Tesla au garage. Mais on va tester également la vitesse. L'avantage d'un véhicule électrique, les gars, c'est qu'il a une vitesse de pointe, enfin une vitesse de démarrage assez magnifique. Et c'est ça qui est bien. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on soit à départ arrêté? 3, 2, 1, go! Wow, je peux pas la contrôler, c'est bon, je vais essayer de bien atterrir. Je pense que je vais aller sur l'autoroute, ça sert à rien de faire ça sur un virage. Mais oh my god, la vitesse de la Tesla, c'est trop cheaté. Regardez, il y a l'aileron aussi, l'aileron, quand j'accélère pas. Mais quand j'accélère, l'aileron sort derrière. Ah ouais, non, c'est trop stylé. Elle est trop belle, il n'y a rien à dire. Elle est incroyable. Oh là là. On va passer à côté du garage. Non, mais elle est déjà à 200 km/h. Mais c'est trop cheaté. Je vais aller sur l'autoroute. Et je vais vous montrer l'intérieur après. Parce que l'intérieur est vraiment pas mal aussi. Ok. Allez, c'est parti. Wow. Je peux pas contrôler. J'arrive pas à contrôler la voiture, les gars. C'est impossible de la contrôler. Mais vous imaginez, je suis à combien là? Les gars. On se refait un départ, on essaye de contrôler le véhicule. Go! Ok, 100, faut essayer de monter à 400. Allez, monte, 400. 400, vas-y, 400, tu peux le faire, c'est une bonne ligne droite là. On a une bonne ligne droite. Je crois qu'elle est bloquée à 393, les gars. 400, oh non, 400. 400. Oh, 400 km/h, c'est abusé. Abusé la vitesse. Ok. Ok les gars, du coup je vais vous montrer l'intérieur comment il est. Hop, on va se mettre là pour montrer l'intérieur. Oh ouais. Holy shit, mais regardez-moi cet intérieur. Le volant, le grand truc là. Est-ce que ça change, non? Si je change de radio, ça fait rien. Elle est trop belle. Non mais l'intérieur. Alors ce que je kiffe dans les Tesla, vraiment, bah déjà c'est qu'elles sont, c'est des beaux véhicules. Hein, ça reste quand même des beaux véhicules. Même je sais qu'ils sont pas trop de Tesla, ils sont pas très fans de Tesla. Mais pour ma part, je pense que c'est vraiment des beaux véhicules. Après c'est pas un véhicule que j'achèterais dans la vraie vie, genre. Enfin bon après voilà, si vraiment t'as rien d'autre à acheter quoi. Mais comment dire, c'est écologique et tout. C'est beau, j'aime bien, mais c'est pas un véhicule où tu te vois genre rouler tout le temps. Genre pour ceux qui font de la route et tout, c'est plus des véhicules, voilà, ça va faire un truc en ville, tu roules avec quoi. En tout cas, moi personnellement, je valide cette magnifique Tesla et je vais la ranger dans mon garage, je pense. Waouh, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, elle est trop belle. On va lui laisser une petite place quand même. Je sais même pas si j'ai de la place dans mon garage. Je pense que j'ai de la place. Je vais la mettre là-bas. Hop, on va la garer. Tranquillement. La petite Tesla qui s'ajoute à la collection. Non, mais là, on commence à avoir un garage de luxe. Hein. Oh, regardez mon garage, s'il vous plaît. J'ai une Tesla. Non, mais qui ferait voir ça dans la vraie vie, les gars? C'est incroyable. Dans la vraie vie, t'as ça, t'es au max. Quoi. Même le véhicule de police, genre, tu imagines, tu roules avec ça en ville. La Tesla, la Ferrari, la Bugatti Chiron, la Lamborghini, la voiture du futur. Bah notre petite dépanneuse, hein, comme d'habitude, elle est juste ici. Oh shit, le camion. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain véhicule vous voulez voir. Sur ce, on s'assied là-dessus. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.